cette présentation et le corrigé d'examen régional pour l'obtention du certificat de cycle collégial AREF sous Smassa Dalam, session juin 2011. Cette correction concerne l'exercice 4. Cet exercice comporte le cours fonction linéaire, fonction affine, noté sur 6,5. L'exercice 4. Énoncé. Soit f une fonction linéaire telle que f de 2 égale à 1. Petit a, construire une représentation graphique de t de la fonction f dans un repère orthonormé. Petit b, montrer que f de x égale 1/2 x. Deuxièmement, soit e de coordonnées 4 et 2, et f de coordonnées 2 et 4, qui sont deux points, et t est la translation qui transforme e à f. Petit a, vérifier que e appartient à t. Petit b, construire t' l'image de t par la translation t. Petit c, déterminer les coordonnées de points G tels que E et le milieu de GF. Petit d, montrer que E est l'image de G par la translation T. Troisièmement, soit G une fonction affine représentée par la droite d'. Petit a, déterminer G2. Petit p, déterminer l'expression de la fonction g. Question 1. Petit a. Construire la représentation graphique t de la fonction f dans un repère orthonormé. En a, f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique t passe par l'origine du repère ayant le coordonnée 0, 0, O. Et en a, de plus, f de 2 égale à 1, alors t passe par le point ayant les coordonnées 2, 1. Donc là, on a deux points, donc on peut passer à la construction. Premier point, c'est O, 0, 0, et on va préciser deuxième point, 2, 1. 2, 1. Voilà. Et par la suite, on trace la droite. T passe par O et le point ayant comme coordonnée 2, 1. Un B. Montrer que f de x égale 1/2 x. F est une fonction linéaire. Donc f de x écrit sous la forme f de x égale à ax. On a f de 2 égale à 1, alors 2 fois a égale à 1. Donc a égale à 1/2. Donc f de x égale 1/2 x. De petit a. Vérifier que E appartient à T. On a E de coordonnées 4, 2 et D ayant la fonction f de x égale 1/2 x. En calculant f de 4. On a f de 4 égale 1/2 fois 4. Donc, f de 4 égale à 2 signifie que t passe par le point e ayant coordonnées 4, 2. En conclusion, e de coordonnées 4, 2 appartient à t.
Deux petits b. Construire déprime l'image de D par la translation T. En AT, la translation transforme E en F, donc F est l'image de E par la translation T. En A, D' est l'image de D par la translation T, et F est l'image de E par la translation T. Et puisqu'on a E appartient à D, donc F' appartient à D'. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Donc D' parallèle D' est une droite parallèle à D qui passe par F. On va passer à la construction. En utilisant l'équerre, on cherche la droite perpendiculaire en utilisant la règle. Après, on fait la translation de l'équerre vers le point F, puis on trace la droite parallèle à D' parallèle à D. Et par la suite, on prolonge D' et on mentionne D' à droite. Deux, petit c, déterminer les coordonnées de points G tels que E et le milieu de GF. On a E de coordonnées 4, 2 et F de coordonnées 2 et 4. On considère G de coordonnées X, G et Y, G. Et on a de plus E et le milieu de GF. Donc, XE égale à XG plus XF sur 2, YE égale à YG plus YF sur 2. Alors, 2 fois XG égale à X2 fois XE égale à XG plus XF. Et 2 fois YE égale à YG plus YF. Donc, 2 fois XE moins, on va le déplacer ici, ça sera moins XF égale à XG, et 2 fois YE moins YF égale à YG. Alors, on va passer à la partie numérique. On va remplacer les valeurs. XE, on va la remplacer par 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Moins 2. Donc 8 moins 2. Et on va remplacer YE par 2. YF par 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4. Donc ça va donner pour la première 8 moins 2, c'est 6. YG, 4 moins 4, ça fait 0. Donc les coordonnées de G, c'est 2. C'est 6, pardon, 6 et 0. 2. Deuxième question, petit d. Montrer que E est l'image de G par la translation T. T est la translation qui transforme E en F. En A, E est le milieu de GF. Donc, GE, GE, égale à EF. D'où E est l'image, E est l'image de G par la translation qui transforme E en F. Troisième question, petit a. Déterminer G2, 2. On a F de coordonnées 2 et 4, qui appartient à D', et D' est la représentation graphique de la fonction g, donc
G22 égale à 4. 3e question, petit b. Déterminer l'expression de la fonction g. G est une fonction affine, donc g de x écrit sous la forme g de x égale mx plus p. En un, t, f de x égale 1 demi x, et d prime, g de x égale mx plus p. Puisqu'on a d est parallèle à d prime, puisque d prime c'est l'image de d par la translation t, donc m égale à 1 demi. Donc d prime devient g de x égale 1 demi x plus p. Et on a g de 2 égale à 4, donc 1 demi fois 2 plus 4 plus p égale à 4, alors p égale à 4 moins 1 égale à 3. Conclusion, g de x égale 1 demi x plus 3. Merci de votre attention.